les journées pluvieuses se raccourcissent pour laisser place aux longues nuits glaciales. Le monde est sale. Le monde est sale, puant. Si bien que l'hiver bienveillant... Ce soir, on se mate le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. De Robert Zemeckis. Monsieur Scrooge, mais qu'est-ce que c'est ? Et la ciboulette, moi je l'aime bien. Monsieur Scrooge... Monsieur Scrooge, un vieillard solitaire et insensible, est connu de tous pour être le plus riche et le plus avare commerçant de Londres. À la veille de Noël, l'esprit de son ancien associé lui rend visite pour lui annoncer la venue des fantômes passés, présents et futurs. Oh ! Des fantômes ? Ça fait peur alors ? Je sais pas. C'est qui lui encore ? En fait... Oui et non. Là, je sors un peu de mon répertoire. Halloween, c'est mort, tu vois. Les fantômes, ça fait plus peur. Du coup, je suis parti dans un délire d'introspection. Voyage spirituel, guide philosophique et... j'en passe. Ah ouais ? Non mais... Noël, c'est mieux, ça marche mieux, c'est plus rentable. Puis les gens... c'est un pote ? Je connais pas. Oh. Au début, le film nous montre un Londres ancré dans son époque. On suit des personnages aux traits réalistes, dans leur misère quotidienne, bien loin des Disney habituels. Mais lorsque le premier fantôme apparaît, on est littéralement expédié dans un univers fantastique. Dès lors, la magie des esprits de Noël nous propulse dans les recoins les plus sombres, aux moments les plus heureux de la vie de Monsieur Scrooge, comme si on voyageait sur des montagnes russes. On passe du rêve au cauchemar en une fraction de seconde. Le film est à la fois réaliste dans ce qu'il montre et fantastique par la manière dont il le raconte. Plus qu'un retour en enfance, à travers Monsieur Scrooge, on revisite notre passé pour mieux appréhender notre présent et mieux appréhender notre avenir. Je suis pas convaincu. Quoi ? J'ai une crotte de nez ? Justement, qu'est-ce que l'esprit de Noël ? Les souvenirs les plus tristes et la misère du monde qui nous entoure sont vecteurs de compassion. Ils nous permettent d'ouvrir nos cœurs pour accueillir les moments de bonheur à leur juste valeur. Et ça, ça donne la patate. J'ai compris maintenant. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Jingle bells. Ce soir, on se mate le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Et la ciboulette, moi je l'aime bien, avec un peu d'ail et l'anguille. L'anguille dans le rondelet. Ah, j'adore.